C'est bien ce que j'aurais fait.
patience. J'étais en train de déjeuner, mais j'ai aussi lavé mon tissu pour mon cosplay. Parce que la première fois que je l'ai fait, du coup, le Yoshi V1, je l'ai fait quand j'étais ado. Et en fait, j'avais pas encore mes problèmes de peau maintenant que je suis du psoriasis. Et bien, je suis un peu plus sensible au niveau de la peau. Genre, je me douche avec des shampoings, des gels douche sur gras, tout ça. Donc, pour éviter tout problème, j'ai lavé mon tissu pour pas me faire avoir bêtement. Ça serait quand même dommage de se taper une allergie en convention à cause d'un tissu qu'on n'a pas pris le temps de laver. Sachant que de toute façon, il va falloir que je travaille ma tête avant, la structure de ma tête avant de mettre le tissu dessus. Donc de toute façon, j'ai quand même quelques temps pour laver ça, quoi. C'est parce que ça m'agace. C'est de la rouille, donc j'ai pas le son, j'ai pas le choix. Du coup, on va faire un petit peu de power wash, je me l'adore, tranquille. Et en début de matinée, voire à partir de midi, on commencera tranquillement la furie. Donc pour le moment, il va falloir faire la structure mousse de la tête. Et je viendrai faire le tissu plus tard, parce que là je suis en train de le laver. On va déjà faire la structure mousse, la forme de la tête.
folle. De toute façon, je remettrai certainement l'échafaudage par là. Histoire de... Oui. Et en fait, cosplay la furie de Yoshi a disparu mystérieusement dans un déménagement. Du coup, je vais devoir le refaire. Donc, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Donc, il va falloir qu'on le refasse. Non, putain, j'y étais presque. Un déménagement très compliqué. Donc ça m'étonne pas que ce soit volontaire. Mais ce qui est dégueulasse, c'est que c'est le cosplay que... C'est mon tout premier cosplay en fait. C'est mon tout premier cosplay et c'était sentimental du coup. C'était ma toute première furie. Mon tout premier cosplay pour ma toute première convention. Saut de fer en premier, donc ça c'est ce que je viens de faire.
ça c'est fait. Je suis pas fan des succès comme ça où en fait, si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu ne peux pas avoir le succès. Je déteste ça parce que du coup, tu peux pas du tout le faire. Genre parce que t'as un skill particulier dans le jeu, etc., que t'es doué. Il faut juste deviner. Donc si jamais t'as fait la connerie, commencez par autre chose. Mais tac, tu vas t'amuser à te retaper le niveau. C'est surtout qu'en fait, le truc, c'est que le cosplay qui a disparu, c'est une furie. Et fabriquer une furie, c'est très cher. Parce que tout coûte cher, en fait. La mousse utilisée, comment dire, le tissu poilu qui coûte une blinde, le temps que tu dois passer dessus. C'est lui qui a recouvert son propre sceau de saleté pour se faire passer pour l'innocent. Il doit croire que je suis née de la dernière marée. C'était sûr que j'allais me casser la gueule. Putain, forcément, il en reste là-haut. Ah là 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 là. Attends, parce que moi, quand je cours, j'arrive pas à viser droit.
si c'était en haut, là, sur la coquille. Tout seul comme un grand. Voilà. Du coup, si jamais la commu avait pas participé pour payer le tissu, etc. Pour le cosplay, j'aurais pas pu refaire ma furie. Là, tu vois, je suis pas sûre de la finir à temps. Mais même si je la finis pas à temps, je l'aurais refaite, tu vois. Et c'est déjà beaucoup. Parce que une furie, c'est pas... Il n'y a pas de date de péremption à une furie. Donc, tu peux la remettre autant de fois que tu veux pour n'importe quelle... événement.
participer au Fur West, etc. Qu'il y a dans le Nord, du coup. Mais de toute façon, tu peux quand même les mettre dans les conventions de jeux vidéo. Ça reste. Ça reste un cosplay de jeux vidéo. C'est pas une furie classique que je fais. Encore, c'est parce que je la fais moi-même. Parce que si tu commandes une sursuite faite par un professionnel, là t'en as pour un bras et demi à peu près. Bon, après, voilà, le résultat il est plus professionnel, ça résiste plus dans le temps, les coutures sont plus solides, oui. Mais j'ai pas de budget. J'ai 900 euros par mois, donc 900 euros par mois, tu te payes pas des fursuites à 3000, 4000 euros. Et encore, je suis gentil. Approcher sans me casser la gueule.
j'ai une salle à faire aussi. Déchets et tout le bordel comme ça ici. Je pousse ça là. Prends trop de place. Et bien. Le 600e. Salut. Le 600e est là, c'est la fête, ça y est. Oui, il ne valide pas le pas, lui. Comment tu vas? Oh, il y a de grandes chances que tu sois vraiment espagnol ou quelque chose comme ça.
que j'ai pas fait dessus du toit là-bas. Je crois que j'ai fait que celui-là. Dans la logique, lui devrait se valider, mais pas l'autre. Est-ce que je peux ramener l'échelle là? Est-ce que je peux la ramener là? Putain, je peux pas. C'est pas ce que je voulais. Patrick, tu es un génie. C'est-à-dire que le saleté sur les sommets de l'enfer sont exactement les mêmes que ceux qui étaient sur ma maison dans la rue des Cooks. Est une grosse puce sauteuse, plein de saleté, ne risque pas de passer inaperçu. Une bêtise sale. Je suis sûr que c'est une connerie comme ça. Le sol, il est censé être validé là. Il y a quoi qui va pas? Donc là, c'est valide. Là.
que sur l'autre côté. Donc ça va. C'est parce que il y a un de côté que j'ai pas fait, je crois. Qui est dans une poubelle. S'il est dans la poubelle, c'est que j'ai pas besoin de le laver. Quand de guirlande, attends, je dis. Attends, les roues de la benne, comment ça il faut que je lave les roues de la benne?
ça fait ding ding. Oui, ça fait ding ding. Les bords de la peine. Comment ça, les bords de la peine? C'est quand je les ai lavé des bords, hein. Tu viens de faire chier. Celle-là n'est pas fini de nettoyer, mais selon qui? Selon qui? Parce que selon moi, c'est nettoyé. Enfoiré. Poignée de porte. Ah ouais, d'accord. Tu me l'as fait comme ça, toi. Thank you.